Allez, c'est parti, je suis ravi de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne, bien sûr, Best Closer. Je suis vraiment ravi de te retrouver encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet un peu particulier. Ce sont les 7 habitudes des gens qui réussissent. On va dire surtout les 7 habitudes que je pense qui t'aideront à réussir en tout cas. Allez, avant ça, jingle. Allez, on va commencer tout de suite avec cette première habitude. Et je pensais pas dire ça un jour parce que j'ai détesté l'école, mais c'est de continuellement se former. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde va à une vitesse extrêmement rapide. Et j'en suis d'ailleurs la preuve vivante puisque j'ai connu... Alors, qu'est-ce que j'ai connu? Moi, j'ai connu le téléphone fixe. À l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Après, j'ai connu les tatous. Alors, ça fait vieux, hein, mais j'ai 34 ans, je ne suis pas non plus hyper vieux. Mais j'ai connu les tatous. Alors, les tatous, si tu sais pas ce que c'est, en fait, c'était des boîtiers comme ça qu'on mettait à la ceinture. On pouvait s'envoyer que des SMS. Après, j'ai connu le Nokia 3310, le StarTAC. C'était le premier téléphone à clapper. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'arrivée d'Internet a complètement bouleversé le monde. Tout va extrêmement vite. Des nouveaux outils arrivent, des nouveaux métiers. D'ailleurs, si tu es là, c'est que tu as découvert. D'ailleurs, je te félicite puisque on est au départ, en tout cas dans le closing, on est sur une phase de décollage. Quand je dis nous, hein, c'est le closing en règle générale, puisque de plus en plus d'entreprises se digitalisent et vont avoir besoin cruellement de toi, hein, de cette force commerciale pour se développer. Donc bien joué, tu n'as pas raté le wagon, en tout cas pas cette fois-ci. Donc ça, c'est la première chose pour moi. Reste un éternel étudiant, une personne éternellement curieuse ou curieux. Ne cesse jamais d'apprendre. Le jour où tu cesseras d'apprendre, ben, c'est le jour où tu vas commencer à régresser. Donc surtout, continue toujours de te former pour ne pas rater le wagon. Étape numéro 2, apprendre. Alors ça, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment, je sais pas si c'est ce qui fait réussir les grands noms, mais je suppose que oui, je suppose. Moi, c'est ce qui m'a fait réussir, donc c'est pour ça que je te le partage. C'est apprendre à s'auto-analyser. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire de ne pas attendre la validation d'autrui pour valider tes choix, valider ta réussite, valider ce que tu penses de bien ou de mauvais pour toi. L'autocritique, c'est j'ai fait une action, je me pose, je re-regarde dans ma tête ce qui vient de se passer et je vois ce que j'ai fait de bien et de pas bien. Et donc, automatiquement, si je suis assez compétent, assez capable, on va dire, de justement m'analyser en étant vraiment le plus pragmatique possible, je vais pouvoir en fait cerner exactement où sont mes problématiques et je vais pouvoir aller chercher le level up. Je sais que c'est un exercice plus ou moins difficile parce qu'on est obligé d'être critique avec soi-même. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans le déni et sont persuadées qu'ils sont parfaits, qu'il n'y a rien à changer chez eux, etc. Moi, je pense que la perfection n'existe pas. La perfection doit être un monde imparfait dans lequel on aime vivre. Hein, voilà, puisque pour moi, la perfection n'existe pas. Mais partons du principe, si aujourd'hui ta perfection, c'est d'être imparfait, il faut pouvoir déjà admettre et savoir observer qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait au top. Et plus tu arriveras rapidement à t'auto-analyser, ne serait-ce que après un appel, hein, dans le closing, aujourd'hui, quand j'ai terminé un appel, je me dis pas « ouais, c'était pas le bon prospect, il a rien compris » ou quoi que ce soit. Non, non, je me remets toujours la faute sur moi, je me remets en question, qu'est-ce que j'ai fait pas bien, est-ce que j'ai parlé trop vite, est-ce que j'ai sauté des étapes. Je vais vraiment réanalyser tout le call que je viens de faire, le call c'est un appel, pour pouvoir justement déceler où étaient les problématiques, le pourquoi, le comment et comment je peux m'améliorer. Si jamais tu es capable de faire ça, tu n'imagines même pas à quelle vitesse tu vas évoluer. Donc retiens ça, l'étape numéro 2, apprendre à s'auto-analyser. Étape numéro 3, on le dira jamais assez, un esprit fort dans un corps encore plus fort. Aujourd'hui, alors pas besoin d'avoir des gros biceps, c'est une façon de faire, mais ce que je veux dire, trouve quelque chose qui te plaît, dans lequel tu vas dépenser ton énergie physique. Tout ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, la vie de famille, la vie de couple, les bouchons, le travail, la perte d'un proche, plein de choses, tout ça, ce sont des émotions qui viennent en fait à l'intérieur de nous et qu'on a besoin d'évacuer. Le fait justement d'aller faire du sport, de sortir, d'évacuer justement pendant un laps de temps très précis, d'être complètement avec le cerveau off, concentré sur une tâche physique avec une dépense qui n'est pas émotionnelle mais qui est physique, ça va te permettre de créer ce qu'on appelle de l'endorphine, ça va être anti-stress, ça va te permettre d'avoir un bien-être mental, mais aussi également le fait d'être physiquement sain. Donc bien sûr, j'aurais pu te dire manger bien, etc., mais je ne veux pas rentrer dans les stéréotypes, hein, on s'en fout. Si t'as envie de bouffer un McDo, fais-le. Hein, si t'as envie de manger une pizza, fais-le. Et si t'as envie de boire une bière, fais-le, mais n'oublie pas de m'inviter. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, sans rentrer dans les stéréotypes, faire du sport, c'est pas encore une fois aller chercher le corps de rêve, etc. C'est tout simplement trouver un sport, une activité physique qui te plaise.
que ce soit courir, faire du vélo, faire du badminton, du tennis, de la natation, peu importe. Trouve quelque chose qui te plaît, dans lequel tu aimes y aller une fois, deux fois, trois fois par semaine. Et ce moment off va te permettre vraiment de poser le cerveau et de repartir de plus belle. Étape numéro 4. Alors, je t'avouerai encore une fois en toute transparence que je sais que cette étape-là est cruciale pour réussir. J'ai énormément de mal à tenir cette règle. Je suis honnête avec toi. Mais pourtant, elle est vraiment... À quel point elle est essentielle, c'est tout simplement d'apprendre à planifier tes journées la veille. Je te promets, quand le matin tu te lèves, que tu as un peu la tête dans le coltard, que le temps que tu mettes la machine en route, etc. Finalement, tu as déjeuné, tu t'es douché, et là, qu'est-ce que je fais? C'est pas le bon moment pour réfléchir. Le bon moment pour réfléchir, c'est la veille. Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je vais organiser ma journée? À quel moment? À quelle heure? Combien de temps ça va durer? Etc. Je sais que aujourd'hui, pour moi, par exemple, qui suis quelqu'un de très indiscipliné, c'est quelque chose de compliqué à faire, mais je me force à le faire tant bien que mal parce que c'est quelque chose de nécessaire et d'essentiel si tu veux être productif et si tu veux pouvoir travailler intelligemment. Pas te retrouver par exemple à avoir l'impression d'avoir travaillé pendant 8 heures ou 9 heures dans ta journée. Finalement, sur 9 heures de journée, il y a eu 4 heures où j'ai réfléchi, il y a eu 2 heures où tu as piétiné et finalement, réellement, tu as travaillé que 3 heures. Par contre, dans ta tête, tu as eu l'impression d'avoir travaillé 9 heures. Donc, tu as une fatigue mentale omniprésente alors que finalement, si tu avais bien tout cadré, tu aurais pu faire 3 heures de travail, 2 heures de sport, 2 heures aller faire de la marche, profiter de tes proches, etc. Donc, c'est vraiment essentiel de te lever le matin et d'avancer comme un robot, de manière automatique. Tu sais exactement ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Je dois aller chercher tel papier, imprimer tel papier, envoyer tel courrier. Ça c'est bien, c'est la liste de choses que j'ai à faire, ce qu'on appelle une to-do list. Et après, à quelle heure je vais le faire, combien de temps j'octroie à ces tâches, etc. Oui, c'est pas évident au départ, en tout cas pour des personnes désordonnées comme moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose de nécessaire et d'essentiel si tu veux pouvoir justement aller chercher de gros résultats. Étape numéro 5. Alors l'étape numéro 5, selon moi, encore une fois, c'est quelque chose d'essentiel. Ça va paraître bête ce que je te dis, mais aujourd'hui, je parle avec beaucoup de personnes dans ma vie de tous les jours, que ce soit les élèves que je forme, les personnes que j'accompagne, mes amis, ma famille. Et aujourd'hui, beaucoup trop de gens vont au bout de leur salaire. Je sais que ça paraît bête et à la fois facile à dire, mais si tu gagnes 2000, que tu dépenses 2000, ben en fait, tu pourras jamais rien bâtir. Donc, apprendre à dépenser moins que ce que tu gagnes. Dépense moins que ce que tu gagnes, commence à épargner, mets de l'argent de côté. Un point essentiel qu'on oublie souvent, si tous les mois, tu gagnes 2000 euros et que tu dépenses 2000, peut-être même plus. Donc, si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, bon, là, tu fais le con, ok? Ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, tu le sais, parce que tu creuses en fait ta tombe petit à petit. On va se dire, partir du principe que t'es flat, d'accord? Tu gagnes 2000, tu dépenses 2000. À quel moment tu te retournes en te disant, toutes les heures de travail que j'ai faites ont servi à quelque chose? On a tous besoin, si tu veux, d'avoir à un moment donné, alors bien sûr, hein, on peut sortir des phrases bateau du style, ouais, mais la vie est courte, j'en ai profité, j'ai des souvenirs. Oui, c'est bien, t'as des souvenirs. Pas de problème. Mais en attendant, les souvenirs ne font pas venir les sous. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'avoir des souvenirs, de profiter. Maintenant, il doit y avoir quand même une adéquation entre les deux. Moi, je considère que si tu peux mettre 10, je sais que ça paraît beaucoup, hein, mais 10 à 20% de ton salaire de côté tous les mois, ça te permettra à la fois effectivement d'avoir des souvenirs et à la fois de préparer en fait ton avenir. Voilà, aujourd'hui, d'avoir une somme d'argent que tu vas pouvoir mettre de côté et te retourner aussi en te disant, bah, ça fait 20 ans que je travaille, j'ai fait de belles années, je me suis éclaté, mais en plus de ça, j'ai X euros de côté. Ça permettra émotionnellement de te sentir mieux dans ta peau parce que tu sais que tu as ce qu'on appelle une poire pour la soif, les anciens appelaient ça comme ça, mais voilà, de sentir que derrière, tu as une sécurité financière. Et ça, c'est vraiment essentiel, encore une fois, si tu veux sentir bien dans ta peau, bien dans ta tête et avancer en tout cas dans la bonne direction. Ce qui m'amène sur l'étape numéro 6. L'étape numéro 6, bah, c'est tout simplement apprendre à investir cet argent. Moi, comme je le dis toujours, on a un seul patron, d'accord? On n'en a pas deux, on n'en a qu'un seul. C'est pas le patron que tu as physique, d'accord, qui te donne ton salaire, etc. C'est pas lui ton patron. Ton patron, c'est l'argent. Et le patron de ton patron, c'est l'argent. Aujourd'hui, tant que tu n'auras pas réussi à mettre ton patron au boulot, bah, tu continueras toute ta vie à galérer. Et tu seras d'ailleurs pas loin, on va dire presque à un pas de la pauvreté, puisque si demain tu ne peux plus aller changer ton temps contre de l'argent, et bien finalement, tu vois, tu pourras plus travailler, donc tu seras foutu. Encore avec le closing, il suffirait d'un téléphone, t'as pas besoin de voiture, t'as pas besoin de permis, t'as pas besoin d'assurance, t'as juste besoin d'une connexion internet et un téléphone. Mais bon, partons du principe que la chose essentielle, c'est bien sûr de gagner de l'argent, mais de préparer ton avenir. Commence à investir ton argent. À investir ton argent dans de l'immobilier, dans de la crypto-monnaie, dans des placements financiers. Bien sûr, avant, on revient sur la case numéro 1 du début de cette formation,
formation, te former. Avant d'investir ton argent, forme-toi dans les domaines. Ne va pas investir ton argent comme ça à tête perdue. Ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre dans le levier dans lequel tu vas investir. Une fois que tu as appris, que tu sais exactement comment tu dois le faire, pourquoi c'est intéressant, comment et dans quel ordre, à ce moment-là, boum, tu vas pouvoir placer ton argent et tu vas pouvoir vivre, pourquoi pas, de tes rentes. Donc que ce soit tes rentes immobilières, d'éventuellement de dividendes si jamais tu investis dans des entreprises, etc., etc. Et tu vas commencer à ce qu'on appelle gagner de l'argent en dormant. C'est-à-dire que même la nuit quand tu dors, tu gagneras de l'argent et ça c'est vraiment exceptionnel. Chaque nuit où je m'endors, je me réveille le lendemain plus riche que la veille puisque j'ai X appartements, X placements financiers qui continuent en fait à travailler. Que je sois là, que je sois pas là, que je sois allongé ici ou sur une serviette, peu importe où je suis dans le monde, cet argent continue à travailler pour moi. Donc ça c'est vraiment un aspect essentiel si aujourd'hui, en tout cas, tu veux réussir. Et l'étape numéro 7, qui est également une partie très très importante, c'est tout simplement d'apprendre à bien t'entourer. Et je vais même te dire mieux, avant d'apprendre à bien t'entourer, il faut apprendre à bien se désentourer. Voilà. Donc c'est-à-dire toutes les personnes toxiques que tu as dans ton entourage, qui te répètent « Mais non, mais arrête de te prendre la tête, viens, ce soir on sort, la vie est courte, profite maintenant, arrête, te prends pas la tête avec cette formation, ce bouquin, machin, t'es relou. » Ou alors le jour où tu veux arrêter de fumer, « Ah ben tiens, t'en veux une, vas-y, t'en veux une. » En fait, aujourd'hui, toutes ces personnes-là, même si c'est tes potes ou copines, que tu les adores, que tu les aimes, etc., pour ton bien à toi, pour tes objectifs, si vraiment tu veux pouvoir aller chercher de beaux objectifs, tu seras obligé de te séparer. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans les trois frères. Dans les trois frères, ouais, référence de vieux. Dans les trois frères, le directeur, il lui dit à un moment donné, pour faire monter une montgolfière, des fois, il faut savoir lâcher du lest. Et c'est à la même chose, hein. C'est-à-dire, imagine que ton avenir, c'est une montgolfière. Et aujourd'hui, bah, en fait, si tu veux qu'elle monte, eh bien, il va falloir que tu te sépares de certaines personnes qui vont continuer à te tirer vers le bas. Et tu verras, quand tu seras en hauteur, tu vas rencontrer d'autres montgolfières et tu vas rencontrer d'autres personnes qui, eux, sont arrivés en fait au même level que toi, ou en tout cas qui ont la même volonté. Et à ce moment-là, tu vas t'entourer de personnes qui vont continuer à te driver, à te tirer vers le haut, justement parce que bah, derrière, ils ont de l'ambition, ils ont de la motivation, ils ont de l'envie, ils ont des projets. Et bien sûr, en t'entourant convenablement de personnes qui ont eux aussi le même mindset que toi, la même envie de réussir, la même envie de ne pas travailler jusqu'à 60 ans pour avoir une retraite minable, à ce moment-là, bah, tu verras que tout ira encore beaucoup plus vite. Donc voilà les 7 habitudes qui, selon moi en tout cas, doivent être appliquées à la lettre pour que tu puisses réussir. Maintenant, s'il y a une de ces habitudes qui ne te convient pas, eh bien, la fais pas. Voilà, te casse pas la tête. Il faut pas se forcer non plus. Mais aujourd'hui, en tout cas, si tu voulais avoir une liste qui est non exhaustive, hein, ça dépend vraiment de monsieur et madame tout le monde. En tout cas, moi, c'est la liste qui m'aide à réussir aujourd'hui et qui m'a d'ailleurs fait réussir jusqu'à maintenant. Si aujourd'hui, ben, en tout cas, elle peut t'aider à toi aussi à y voir plus clair pour pouvoir te lancer dans de meilleures conditions, j'en serais ravi. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu devais rajouter des choses à cette liste. Je serais ravi de savoir quelles seraient, selon toi, les habitudes ou les choses à rajouter pour pouvoir encore améliorer la réussite. Également, n'oublie pas que tu as le pouvoir sur cette chaîne. Si jamais tu veux qu'on traite un sujet, que ce soit Arnaud ou moi, ben, tu n'hésites pas, tu la mets en commentaire et on fera un sujet de cette vidéo. Donc n'oublie pas, tu t'abonnes à cette page, tu likes, tu commentes et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.